Choisis la vie, un temps lent, une musique sacrée. Tu as découvert la lenteur du temps de Dieu au moment de la naissance de ton enfant intérieur. Plus d'énervement, un calme si profond. Aujourd'hui, lorsque tu éprouves le besoin de te ressourcer, il te suffit de t'arrêter, de ne plus faire de gestes que très doucement pour changer de niveau de conscience. Ce temps lent est celui de la maturation intérieure. Il te fait comprendre pourquoi le rythme de Dieu n'est pas celui des hommes. Il ne sert à rien de tirer sur le blé pour qu'il donne l'or de ses épis, mais il faut l'attendre patiemment pendant les mois qui séparent l'automne du printemps. Nul n'aurait l'idée de tirer du ventre de la mère l'enfant qui s'y développe pour accélérer le processus. Chacun sait que toutes les phases de la gestation sont nécessaires. Un temps lent, une musique sacrée. Dans ton être profond, tu entends les mélodies des anges. Peut-être écoutes-tu Bach, Monteverdi, des chorales, des chants sacrés, Marie-Marguerite Caneau, harpiste, qui te mettent en harmonie avec les chœurs célestes. Au fond de toi, ton enfant de lumière est inondé de beauté, de musique, de paix, et vit le temps des profondeurs, celui de l'éternité. Pour y entrer, entraîne-toi périodiquement à passer de la précipitation à un rythme de plus en plus lent. Peu à peu, tu donneras un sens à tous les moments d'attente de ton existence, même s'ils sont inconfortables ou imprévus. Tu stopperas tes pensées, les associations d'idées qui fourmillent dans ton psychisme, le vagabondage mental, pour entrer dans la paix, dans un autre espace-temps, celui où te conduit tout ton être, dans la profondeur de ton intimité. Alors aujourd'hui, mets-toi au diapason de l'art sacré. Apprends patiemment, comme un excellent ou une excellente musicienne, pas à pas, le solfège, le goût de la musique, ce désir de partager les moments les plus sacrés, les plus beaux, qui nous ouvrent la porte du ciel. Et pour cela, il faut du temps pour découvrir cette musique sacrée.